Et salut YouTube, on repart à nouveau sur un jeu des copains de chez Pixel Art du Neo Retro Dreamcast. Aujourd'hui avec Rocketron, on a fini juste avant Alice Sisters, ce qui était bien sympa. Et là on part sur du Rocketron. Alors je vous avoue que j'ai eu un petit peu les images et j'arrive pas à voir si c'est vraiment du jeu ultra bourrin, assez arcade, façon Turrican, ou si y a un petit peu de Metroid Vanilla dedans. On va découvrir ça ensemble. Il est sorti il y a quelques mois du coup. Et comme d'hab, je vous laisse regarder bien sûr chez les copains de chez Pixel Art si jamais le jeu vous intéresse, bien sûr. Et bah découvrons ça, découvrons ça. Hop. Pour ceux qui se posent la question, on joue bien sur une vraie Dreamcast. Normal, c'est déjà bien. Normal, c'est déjà bien. Tu vas me dire comme d'habitude niveau son sur le chat. Si ça vous va, Bing. S'il me paraît pas trop fort. Hello, Navcom 06 speaking. En tant que humain cybernétique, vous avez l'habilité, vous avez l'accès au log des autres super-humains après les avoir battus. Qui peut garder un œil sur ces sur ces soldats tombés au combat. Cela pourrait être utile pour votre mission. Et bien sûr, utilisez votre mousquet rocket. En cas d'insurrection, gogo. Ça conclut notre briefing. Bonne chance. Bon. Combien intense. On met un petit peu le son. Voilà. Il y a plein d'explosions. On aime bien ça ici, les explosions. Et c'est moi. Hop. Alors attendez. Ah d'accord, on peut. Ah, on peut dasher avec le rocket. D'accord. Oula. Je suis en train de me faire défoncer dès le début. Merde. C'est quoi les boutons? Ok, on peut rien faire, on peut rien faire. Ça c'est le dash. Ah, du coup, ça c'est interface, j'ai eu ça. Donc, on a sûrement des nouvelles armes et des nouvelles habilités. On verra ça un petit peu comment ça se passe. On peut voir la map complète. Pipe pressing, attends. Select. Ah, on peut. Merde, non! Attends, ok. Comment j'avais fait ça? Ok, et on peut voir la map comme ça, d'accord. Comme sur Metroidvania. On voit un petit peu le niveau de tous les trucs qu'on a ramassés. Ok. Accès aux autres après leur mort, ça semble les Game and Like. Peut-être, peut-être, peut-être. Allez. Et on peut tirer un petit peu dans toutes les directions, ok. Alors est-ce qu'on peut vraiment tirer? D'accord, c'est vraiment dans les 8 directions. Ça me rappelle un petit peu Turrican. J'avais un Turrican sur NES. Pas trop connu la licence. J'ai un petit peu pensé à ça. Ok, pas plus d'infos que ça. Ah, il faut appuyer sur O. Essayer d'utiliser les fonctions de la roquette pour sauter, tout ça. Ok, donc là, ça veut dire qu'on peut s'envoler si on fait ça. Okay. D'accord. Ça, niveau son, c'est assez fort. Ou voulez que je monte encore un petit peu? J'aime pas la couleur de ce bleu, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Pourquoi ça? Hop. Alors, on a récupéré la machine gun, donc la mitraillette. Ok, alors comment on fait pour changer d'arme? Ça c'est le dash, ok. En fait on peut passer de l'un à l'autre comme ça, d'accord. Ok, et en fait on a des munitions infinies aussi? D'accord, ça se prend, ça se prend, ça se prend. Le son est pas très fort mais ça s'entend, ouais. C'est bizarre, il est très étouffé le son. J'ai remonté encore un petit poil. Là, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, on a que du son. Alors, j'espère qu'on aura une vraie bande son après. On a que du son d'ambiance. On va faire quoi avec? Ok. Donc, c'est une station de sauvegarde. On peut se garder nos données ici. Donc, ça a été secrètement installé un petit peu partout. Ok, ok. Voilà. Voilà. Très bien sauvegardé. Deuxième map. Non, je sais pas si ça sauvegarde pour de vrai ou pas. D'accord, en fait, faut appuyer sur le bouton de tir. La console a fait un gros bruit d'un coup. On a fait 1% du jeu. Ça va, ça avance bien. Et ça, on peut pas y aller pour l'instant. Ah, va peut-être y avoir un petit côté Metroidvania du coup.
C'est mini au son. Par contre, la saison de sauvegarde ne nous guérit pas. La vilaine. Voilà. Oula, il y en a un gros là. Je sais pas à quoi il me fait penser cet ennemi. J'ai déjà vu des trucs comme ça. On dirait un petit peu les ennemis dans Star Wars, mais. Dans un autre jeu vidéo, il y en avait des comme ça qui faisaient un petit peu les mêmes bruits. Ah, bah de la musique quand même! Voilà. Alors, ok, on a récupéré un cristal de puissance. On peut l'activer depuis l'inventaire pour augmenter nos HP, les armes et la vitesse de course. Quand on a de nouvelles armes, on peut les monter, bien sûr. Ah oui, d'un coup, c'est un petit peu fort. On va peut-être rebaisser un petit peu, du coup. La musique qui vient, qui s'en va, qui s'en va, qui refait sa vie. Quand même, c'est bizarre qu'elle soit pointée comme ça. Alors. Hop. Est-ce que c'est bon là niveau son? Alors du coup l'inventaire. Où est-ce que je vais caler mon cristal moi? On dit qu'on l'avait depuis. Ah voilà. Ok. On peut augmenter sur la vitesse. Ouais. On va augmenter sur l'arme de base pour l'instant, pour voir déjà si ça change grand chose. Ah puis là on n'entend plus rien. Ça c'est un truc que je trouve très dommage, et même si sur les jeux AAA, c'est le son qui monte, qui descend, etc. Mais l'arme, un shotgun, ok. Alors du coup, voyons un petit peu ce que ça fait le shotgun. C'est bizarre qu'on ait autant d'armes dès le début. Ouais, je préfère la mitraillette. Pour l'instant. Yep. Mince. Je vais monter directement comme ça. Bien. Ouf. Bien. Oula. Ça fait du dégât ce truc. Et juste, attends. Je sais pas s'il y a un moyen de tirer dans la direction qu'on veut. Et sans bouger. Ou de la vie. Ouh, machine gun. C'est pas le même jeu à l'arrache. Eh oui, machine gun. On peut fermer de la vie dessus. Ouais, vite fait. Je vois qu'il y a un truc là-haut, mais je sais pas comment on peut le rechercher. En fait, faudrait sinon. Non, je me demande si on peut augmenter la roquette en vrai. Parce que là, si on a une plus de roquettes, on peut aller beaucoup plus loin avec. Pour choper d'autres trucs. Salut Pierrot, quand tu vas. En vrai, faudrait presque mettre les sons de métal. Ah, mais on peut en fait. En fait, si on arrête de bouger, il reste dans la dernière position connue. Du coup, ça augmente pas, ça utilise pas de bouton particulier. C'est dommage parce que du coup, les gâchettes. Ah, mais les gâchettes, d'accord. Elles servent à changer d'arme directement, ok. Et du coup, en fait, les armes sont pas infinies. Je pensais. On va reprendre le flingue de base. Je sais pas comment on peut récupérer les munitions. Du coup, j'ai tout gâché. J'ai fait du gâchis. On peut pas aller assez haut pour ici, ok. Mince. Et plus de musique. Je pense que ça va être les ennemis qui. Merde! Ils vont nous les refiler d'une façon ou d'une autre, les munitions, mais il faut trouver comment. Ok. J'attends toujours la Metal Slug Anthologie sur PS4, moi, elle a déjà été repoussée deux fois. Ah ouais? Ils avaient prévu de la sortir? Et je comprends pas parce que mine de rien ça demande pas. Enfin une anthologie qui est déjà sortie sur je sais pas combien de consoles, ça demande pas autant de temps. Moi j'ai déjà sur PS2 la Metal Slug Anthologie. Alors. On sauvegarde. Et on sauvegarde, oui. Elle est tellement bien l'anthologie en plus. On va rajouter des jeux par rapport à celle de PS2. Oui, c'est Pixel Love, une édition collector que j'ai précoupée l'année dernière. Ah oui! Oh, boss! Oula. Il y a des ninjouilles devant.
Faudrait aller. Merde. Allez. Moi j'ai trouvé The Strat. Ok. Et de la vie. Ah, et des munitions en plus, chouette. Est-ce qu'on peut fermer les ennemis ici pour avoir assez de munitions? D'accord, parce que la vie qu'on récupère là en fait, et les petits ronds verts, ça le file aussi des munitions, c'est pas que de la vie. Ouais, donc il y a un petit peu un système à Super Metroid ou à Metroid 1 quand tu veux récupérer du stuff en fait. Tu te pointes dans un coin où les ennemis repopent à l'infini. Et tu te les fais. Voilà. Jusqu'à ce que tu sois fou là. Bon, en vrai, ça devrait aller là. Le machine gun, on est bien. On va juste re-sauvegarder vite fait. Hop. Voilà. On sauvegarde. La musique vit son aventure en parallèle, c'est un peu ça, ouais. Ouais, moi je m'en fous, je me déçois la directrice du jeu. C'est dommage. Test la Gantologie plus mes assos XX se dévoile dans une édition combo pack exclusive pour PlayStation 4. D'accord. Je savais même pas que Pixel Love faisait leurs propres jeux. Et beaucoup de leurs bouquins. Je savais même pas qu'ils éditaient leurs propres jeux. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une nouvelle amélioration? Alors, on a augmenté la puissance de la roquette. D'accord, on peut aller plus loin. Donc là, il y a deux endroits qu'on va pouvoir visiter. Alors, mon dieu, les cultistes ont bloqué la porte et m'ont coupé du reste de mon unité. Ces types de portes, normalement, ont besoin d'une clé de sécurité, mais je n'ai pas été capable d'en trouver une dans le coin. Cette base est relativement grande, il doit y avoir un terminal de sécurité quelque part. Il faut que j'y aille pour en trouver une. Ok, voilà. Passer à la sécurité pour retrouver le reste du groupe. Donc ça nous permet d'aller plus haut. Donc ouais, il y a bien un petit côté Metroidvania, avec les upgrades qui nous permettent en fait de visiter un petit peu plus la map. Voilà. Ah, c'est vrai que ça donne envie de monter un petit peu la vitesse de course aussi, parce que on se traîne un petit peu dès qu'on n'utilise pas la roquette. Peut-être qu'on aura un autre upgrade général plus tard. C'est un coffret collector dans une boîte style Neo Geo. Sympa. Mince. Là. Ça a même le pistolet de base, il est assez puissant en fait. Voilà. Bien. Mince. Bon, ça, ils sont quand même sympas. En termes de vie là. Voilà. Bon, on peut le skipper lui. Je me demande si je peux récupérer le bonus que j'avais vu qui était planqué en hauteur tout à l'heure. Avec cette nouvelle roquette. Voilà. Là, je vais pouvoir aller là-haut. On dit ça va être la suite. Là, ce que je voudrais voir, c'est si. Non. Merde. Voilà. J'espère qu'il va me looter un petit truc. Même pas sale bait. Là, ce que je me demande, c'est si je peux monter tout là-haut avec ça. Oui. Alors, on a quoi là? Ok, un nouveau power cristal. Ok. On va utiliser comment? L'utiliser sur. Donc là, pour monter une deuxième fois celui-là, il faudrait avoir deux cristaux cette fois-ci. On va monter un petit peu la vitesse quand même. Pour bouger un peu plus vite. Un petit peu les fesses. J'ai pas l'impression qu'on est bougé, qu'on avance vraiment beaucoup, beaucoup vite. Hein. Là, ça appuie très bien. Là. Paf. Il faut que je joue un petit peu mieux. Ah mais je l'avais pas vu dans l'explosion de l'autre, je pensais qu'il était mort aussi moi. Il a triché, il est camouflé. Voilà. Et... là. Où mince. Non, j'ai mourir qu'un caca. J'avais pas un petit peu de vie quelque part. Ouais, je me disais, ça sentait tellement le piège dans le coin.
Ah, c'est du platforming, ça je sais faire. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai échoué dans la mission de rentrer dans les défenses ennemies. Ok, donc ouais, il nous dit qu'on peut dasher par-dessus les trucs, concrètement. Les humains ont peur et le reste d'entre nous. Attends. Pas sûr de bien réussir à lire. Risk quoi? Les humains ont peur de nous à cause de nos corps mécaniques. C'est pourquoi je ne voulais pas faire confiance à Argo ou à cette arme. Mince! Ah! En fait, j'ai voulu valider le message en appuyant sur le bouton A qui est le bouton de saut et du coup, je me suis suicidé. C'est moche. Oh, c'est pas grave, on va rusher. On va y arriver rapidement. Voilà. Non, hop, on monte directement. Voilà. Faut pas trop traîner, ça sert pas à grand jeu de se tuer les ennemis. Pas non plus d'histoire d'XP ou quoi que ce soit. Yep. Par contre, on a besoin de plus de vie ou d'armes. Merde. Bien. Voilà. Quand même bien pratique ce petit truc de roquette, sympa. Ça va être bien maniable. Bien. Voilà, au moins on est sûr de le toucher avec le shotgun. Hop. Mikitoi, quand tu vas? Non, bah en fait, il m'a lancé directement mon point de sauvegarde, comme si on lançait la sauvegarde direct. Donc là, je récupère à nouveau mon. Mon petit. Hop. Ouais, on va peut-être pas monter la vitesse parce qu'on a vu que ça avait pas changé grand-chose. J'ai tenté d'augmenter quand même ma vie. Mon shotgun. On va augmenter mon shotgun, puis après on augmentera ma vie. Puis ça coûte que 1 pour l'instant. Ah, c'est vraiment dommage pour ces histoires de son. Je sais pas si c'est dû à ma console en elle-même. C'est pareil avec tous les jeux. Bizarre. Et. Hop, bien. Oula, mince. Yes. Cette fois-ci, on pense pour aider. C'est le bouton de tir, ce n'est pas le bouton de saut. Bien. On est bon. On a assez pour aller jusqu'à là-bas. Large. Hop, on est bon. Je vais rester un petit peu plus sur le bord pour moins risquer. Voilà. Oh! Encore un petit upgrade. Yep, on va monter quoi ce coup-ci? On va monter la vie, je pense. Voilà. Ah oui, ça monte pas qu'un petit peu, c'est cool ça. On a passage au-dessus et en dessous. On va commencer par au-dessus. Sans musique, avec une personne qui se traîne le boule, c'est vrai que c'est austère. Non, mais c'est ce que je vous disais hier. Hein. Je sais plus sur. Bah, c'était sur quel jeu? Non, c'était avant-hier. C'était sur Infernax. La musique a donné une impression de vitesse. Le perso, il se traînait en vrai. Et tu joues au jeu avec la musique, t'avais pas l'impression de traîner. On avait testé de couper la musique et vous avez vu que du coup, le jeu paraissait beaucoup plus lent. Alors que c'était exactement le même jeu. Hein. Là, c'est pareil. Tu sens qu'il manque quelque chose, quoi. C'est quand même bizarre. Va changer un petit peu d'arme. Ouais. Alors faut faire gaffe parce que ça a l'air de popper dans tous les sens. On peut rentrer ou pas? Non. Robert! Je vois un petit mail à Pixelor pour savoir ce qu'il en est. Ils ont eu aussi le souci sur les autres consoles. Ça vient de moi aussi, c'est quelque chose de global. C'est quand même bizarre. Hein.
pour passer par là. Bien. Oula, il y en a plus balèze là, on dirait. D'abord, on va prendre ça. Oh, un nouveau tir, c'est un lance-roquette. Trop bien, un rocket launcher. Ça envoie des projectiles explosifs. Sympa, attends. Ah, et puis lui, lui, il a un ultra laser carrément. Et. Ok, on est bon. Du coup, je me méfie un petit peu parce que, vu qu'on a des plein de nouvelles armes dès le début et tout, je sais pas combien de temps il va durer le jeu. Il a l'air d'être typé assez arcade, même si on a des upgrades et tout, même si a priori il y a un petit peu d'exploration façon Metroidvania. Il y a peut-être une histoire de 100% et tout. Et on est bon. On va voir ce que ça donne. Dans le même genre, on avait testé Project Blue qui était sympa aussi il y a quelques temps sur NES. La journée Dreamcast aujourd'hui. Non, on fait juste deux jeux Dreamcast ce matin. Et après, on va partir un petit peu sur du Infanax et sûrement sur du New Super Mario Bros. Wii si jamais on a le temps. Ouf! Ah oui, d'accord. Dommage qu'il n'y ait pas un petit checkpoint avant. Un petit point de sauvegarde. Utiliser mon dash hein. Parce qu'il est cool un petit peu. Il y en a presque. Là, bouge. Bien. Merde. Là, ça n'a pas fait de dégâts je crois. Ah, en plus c'est un peu la musique contre le boss quoi. Mais c'est juste que j'ai en l'entend de fond et tout. C'est vraiment juste dommage quoi. Il y a d'avoir une super ambiance mais on l'entend pas. Non, je me demande si par hasard on dirait qu'il m'a pété mon... Là j'ai récupéré des roquettes mais je peux pas plus les utiliser. On dirait qu'il me les a pété en fait le boss. Si c'est pas les roquettes qui peuvent péter les murs un petit peu bizarre. Ah, zone 2. Il y a plein de trucs dans la première, dans le premier endroit qui on peut encore terminer. Hein. Je sais pas y retourner parce qu'on peut pas monter là où il y a le boss. Et on a fait 11% du truc. Pareil, la musique, je l'entends quasiment pas. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Le chat. Mince, d'accord, ouais. Je pensais qu'on passerait juste en dessous, en fait. Oh. Bien. Passage platforming, là. Par en bas. On va faire pas le savoir finalement. Hop, par là ouf. Ouais, la minimap en bas à droite, ça fait très super Metroid. Hein. On entend bien qu'il y en a, d'accord. On va tirer un petit peu différent. Ok. Merci, bisous. Ça te sauve tellement les fesses la roquette à chaque fois. Voilà, la bonne roquette. Hop là. Ta-ta-ta-ta. Très aérien. Dans le même genre, ça me rappelle vraiment Turrican que j'avais testé il y a très longtemps sur NES. J'avais pas aimé à l'époque, hein, Turrican. Je trouvais ça très rigide. Et très dur. Là, ça se contrôle plutôt bien la roquette, ça c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a par là-bas? Alors, j'ai vu un Blue Mand. Mand, ça veut dire quoi, Mand?
Bref, un robot de combat bleu. Tu as un tas de cultistes avec un seul tir. Est-ce que c'est un agent de Argus Express? Non, ça ne pourrait pas. Dans tous les cas, nous avons encore des alliés puissants dehors. Il reste de l'espoir. Mand dirigé, d'accord. Par un humain, ok. C'est un piège ou... Ah merde! D'accord, c'était une sorte de piège. Ah c'est bon, quelqu'un qui vient m'aider. Oh là là, je suis coincé! Ok, il y a quelqu'un de super balèze qui vient m'aider. On sait pas qui c'est. Même pas on a eu le temps de le remercier le pauvre. A plus fini, bon courage! Des bisous! Oh, ça, ils sont quand même bien sympas avec les checkpoints. On a un petit peu partout. Ok. Mais. C'est-à-dire habillé, non, c'est man, c'est pas habillé. Habillé, c'est bien dirigé. Hein. Non? Habillé, ça aurait été encore un autre move. Attention. Ah, tu es anglais, Macrimé? D'accord. Bah, du coup, il y a Carly qui me dit des bêtises. Mand? Ah, j'ai jamais entendu ce mot, ouais. Mince. Là, grand seigneur du monde, ouais, faut pas trop laisser des ennemis derrière, sinon... On trouve très vite débordé, on dirait. Mince. T'es mort, toi. Ouais, là, il commence à trop bien résister. La mitraillette augmentée serait pas déconnant. Hein. On peut. Nous allons nous battre le dernier oraison. D'accord. Je peux voir ça, je filme. Il me semblait que Man pour un robot c'était contrôlé par une main, donc pas autonome. D'accord. Marcher là-dedans, ok. On a analysé la map, ok. Donc on peut voir la map complète là. Ouh, petite amélioration par ici. Je vais attendre d'avoir deux fragments de cristaux pour améliorer la mitraillette, je pense. Attendez, on va jeter un petit coup d'œil à la map. Ouais, c'est vraiment, c'est très très inspiré Metroid tout ça. Ouais, donc du coup, même s'il y a des entre guillemets des arias. Un visiteur venu d'ailleurs. Linus, Sephia, Lucretia, merci pour le follow. Bienvenue chez Coffees. Y'a pas, j'espère que tu vas bien. Par là-bas. Ça nous permet de retourner au début en fait. Ah, attends. Est-ce que du coup. Non. Il nous faut un autre truc pour ouvrir ça. Du coup, on va plutôt repasser par où? On va passer tout à droite et remonter. Ok. Ouais, tu vois que la direction du jeu et tout, c'est... J'ai vraiment pris une direction différente de Super Metroid, mais la map, c'est clairement ça. Hein. Même forme, même couleur. Donc, en même temps, ça marchait bien, hein. Tu te repérais très facilement avec la map de Super Metroid. Quand j'étais gauche, je captais rien à la map de Super Metroid, mais maintenant, quand je suis dessus, c'est clair comme de droche. Attends, ouais. On va peut-être pas y aller trop vite parce qu'on aura pas assez pour voler jusqu'au bout. Je sais pas à quel point. Merde. Je veux dire, je sais pas à quel point ça blesse les pics, mais non, ça va. Ça va encore. Voilà. Oh putain, merde. D'accord, en fait, quand on a trop de dégâts, il y a des armes qu'on peut plus utiliser. Donc c'était comme le lance-roquette tout à l'heure. Pour l'ennemi. Je trouve. Aïe, 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 aïe. Un moyen de regagner de la vie. On va repartir là. Et on va rusher tout ça. Assez exigeant quand même le gameplay. Hein. Pas se mentir. Écoute, tout début. Aïe. J'imagine pas à la fin. Merde.
Ouais, t'en iras tuer parce que là, c'est plus à peine. Ok. On sent bien le côté rétro. Hop là. Bien. Et après, je vous avoue que j'ai une préférence quand même pour le style plus rond qu'on a dans Metroid. Même si le pixel art derrière est super joli. Le côté un petit peu plus rond, un petit peu plus sombre mais en même temps coloré. On a Metroid. Bizarre. Ah. Connerie ça, Kofi. Hop là. Ça. Gaffe là, faut que je fasse gaffe. Il va y avoir beaucoup d'ennemis. Yep. Ouais, faut que je change un petit peu plus d'armes en conséquence. Voilà. Aïe aïe aïe. Oh l'andouille. Ouais. La pompe est bien contre les petits ennemis quand il y en a beaucoup. Et contre les gros, c'est notre histoire. C'est Commanders, informe-toi. Voilà, la map. Il va falloir faire gaffe pour pas perdre plus de vie que ça maintenant. Carrément, Corundert. Alors, dès qu'on y pense, des Metroidvania. Est-ce qu'on a eu des Metroidvania sur console Sega en vrai? Ça de tête, je serais pas capable de vous en citer un seul. Hop. Bien. Un petit peu de vie, un petit peu d'armes. Ah, il doute pas là. Là. Bien. Ouh, très bien même. J'ai pas flingué toutes mes missions comme ça, essayer d'en récupérer d'autres. Allez. Voilà. Merde. J'ai essayé de faire double jump et on a pas de double jump. Aïe aïe aïe. Ah putain, il est dur ce passage. Prendre son temps. Rocher parfaitement pour pas trop affronter les ennemis. Je vais faire un petit peu entre les deux, quoi. Voilà. Par exemple, il vaut mieux rusher vu que de toute façon, hop. Merde, il n'y a rien à récupérer. Bon, attends, il y a de la vie à récupérer. Il n'y avait rien. Voilà. Merde. Profite là, on fait un petit tas. Je vais planquer. Hop là. Ça demande vraiment de puissance, hein. Oula! Ouais, puis j'ai plus de fusil à pompe. Je vais deux seuls là. Ouais, on est bon. Y'a plus un Symphony of the Night sur Saturn? Si, en effet, pas sorti en Europe, mais il y en a eu un. T'es même pas au courant, il y a encore quelques mois. Et c'est David de MO5 qui m'en a parlé. Là, j'ai toujours pas fini mon bouquin sur Symphony of the Night, j'ai un magnifique bouquin. Ih, je l'ai là. Je peux en parler quelque part. Voilà. J'ai eu que le début, malheureusement. Il l'a fait tester. C'est vraiment cool, à l'exception de
Graphiquement, il est. Enfin, les effets sont pas parfaitement gérés. Hein. Il clignote beaucoup, il scintille beaucoup le jeu, les effets de transparence et tout sont mal foutus. Et bien mieux visuellement sur PlayStation. Et le jeu, il a un petit. Je sais plus si. Je crois que c'était la musique qui était mieux sur. La version PS1, je crois qu'il y avait aussi du contenu en plus, mais je sais plus quoi. La version, pardon, Saturn, mais il y avait du contenu en plus, je crois aussi. Il coûte combien SOTN sur Saturn? J'imagine même pas. Salut Solis, et oui, c'est un nouveau vieux jeu. Ça va bien, et toi? Rocketron sur Dreamcast. Yep. Voilà. Là, doucement. Bon. Si j'avais un petit peu de loot, ce serait tellement bien là. Voilà, il suffit de te plaindre. Et on est bon, on est bon. On va peut-être s'en sortir finalement. Voilà. Hey good. Yes. Merde. Attends. Yes. C'est vrai qu'on peut encore monter un petit peu de ce côté là je crois. On peut pas péter le mur vers le bas. Non. Ah non, il n'y a plus rien, d'accord. Merde, oula, plus cher. Putain, mais je voulais tirer. Quoi? J'aurais dû ressortir. Ah là là, putain. Le jeu, il est vraiment dur. Là, ce passage-là, il est juste horrible. Les ennemis font bien mal, d'une part. T'as pas trop le droit à l'erreur. Les munitions sont rares. Faut avoir peur de recommencer. Hein. Ok. Prendre ce passage-là. Merde. Pas trop s'il faut que je rush ou pas au final. Les ennemis vont revenir qu'on va revenir aussi. Faire n'importe comment en roquette. Là, pas très sympa au niveau du loot, mais bon, bon quand même. Là, il y a tout le monde. J'ai absolument de me rapprocher des ennemis, sinon j'ai pas le temps d'éviter leur tir. Là. Ok. Tout de suite, Giorgio, tout de suite. Ça se trouve, je vais devenir super fort dans le jeu et puis après, je vais rusher tout le reste. Hein. Voilà. On lui fasse. Et pourtant, je lui fous plein de trucs dans la gueule et il veut pas mourir lui. Là. Ah mince! Directement pour skipper ce passage, hein, ça sera plus simple. Voilà. Oh. Il y a des numéros chelous qui arrêtent pas de me harceler depuis quelques jours, je sais pas pourquoi. Et merde, non! Ah non, il y avait du heal là-haut. Ils ont pas le droit. C'est de la faute des mecs qui m'appellent avec des numéros de je ne sais pas où pour me demander de claquer mon compte je ne sais plus quoi pour apprendre des langues étrangères. C'est de leur faute, ils me déconcentrent. Et voilà, c'est mort, voilà, je suis directement. Mais les piques font tellement mal. Si vous avez ça en ce moment. Ah, punaise. Bon. Je
faut que je prenne plus mon temps. Allez. Attends. Voilà. Voilà. Voilà, on est bien là. On va rusher comme Jaja. Fais gaffe de bien avoir la requête à blinde à chaque fois. Prendre à chaque fois les diagonales pour avoir le temps de recaler sa chute. Là, juste où on veut. Là, ça passe. Merde. Donc un petit peu derrière les trucs, là, voilà. Comment est-ce que c'était vraiment un bon plan? Et la question. Bon, ça sort pas si mal en vrai. Donc j'augmente la puissance des armes. Vraiment, faut avoir fermé un minimum les cristaux. Là. On est bon. Tu peux te finir, toi. J'espère que t'es un loot. Ouais. Yes. Bien. On est pas trop mal là. J'ai bu mon meilleur café ce matin dans un salon de thé, café italien avec caramel et noisette. Du coup, ça m'a rappelé de passer sur ton stream. Ah, la classe. Allez. Ça va être trop bon. Ah, ici. Bien. Et on se casse. Bien. Là, ça passe. Ouh, nickel. Ouais, le fusil à pompe, il est vraiment bien quand t'as plein de petits ennemis pas très puissants. Ouh là, bien. Les mitraillettes. Alors sur ta maman. Dommage, mon saut était pas si... On est deux fois dessus. Je vais avoir the loot là. Ah putain, si on peut puter les mitraillettes. Putain, c'était trop bien parti, c'est dommage. Quoi? Ma mère était une sainte. Ah mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ça se passait trop bien. Ça pouvait pas se passer mieux. Et le jeu m'a rappelé d'un coup que c'était pas mon pote en fait. On dit pas les mamans. Bah on dit qui alors si c'est pas les mamans? Immense. Et... Là, non, oui, non, oui, oui. Mince. Ouais. Il y a pompe pour laisser tomber l'idée, hein. Clairement. Ah bah, j'ai plus de mitraillette là. Bon, on suicide, allez. J'ai vraiment l'impression que en fait, j'aurais pu choper, si j'avais pas été directement sur le boss avant, j'aurais pu choper plus de comment ça s'appelle, de cristaux et être plus balèze. Le problème c'est qu'une fois qu'on a passé le boss, on peut pas retourner tout seul en arrière en fait. Je peux récupérer ma map et mon cristal avant. Et petit rush. Mince. Il y a le truc qui me... Là. Trajectoire en plein en arrière là. Bien. 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 Et bien. Et pas bien. Ok. Je peux plus utiliser les mitraillettes. Je suis joie. Quand même, le pistolet de base il fait quand même pas mal de dégâts, mine de rien. A plus live, bon courage!
Une fois à quel point ce passage est difficile juste pour trois trucs quoi. J'espère vraiment qu'on va avoir un checkpoint pas trop loin. Après ce qu'on peut toujours faire c'est une fois qu'on est fini, j'aurais dû faire ça tout à l'heure, c'est une fois qu'on a fait ce passage là c'est de reprendre le checkpoint en bas. Hein. Le problème c'est comme il guérit pas et remplit pas les armes, bah... Sauvegarde mais mais on n'est pas forcément mieux, si on commence de plus loin. On a pas besoin de recommencer à chaque fois cette fois là. C'est bon. On prend les mitraillettes. Mince. Ah, c'est déjà mieux ça. Pense doucement. Oui, ça aurait dit qu'il est à gauche, il était pas tout à l'heure. Ah mais ils ont repopé, c'est pas possible autrement. Les ennemis j'ai... Juste avant, putain... Oh. Aïe aïe aïe, franchement ça va... J'ai l'impression que je vais jamais y arriver. En même temps, les pics et les obstacles, ça te flingue plus d'un tiers de ta vie. Hein. Pas rien. Des traumas sur la Metroid NES qu'on a fait il y a pas si longtemps. Il y a des passages bien hardos comme ça aussi. T'arrivais jamais à récupérer la vie que t'avais perdue, assez d'armes et tout. Bon, on est bien, il n'y a plus qu'à rocher jusqu'à là-bas. Passe prendre deux. Truc, allez, on va y arriver, on va y arriver, on y croit! On va s'en sortir. On est quasiment full life, on a encore plein d'armes. Tout va bien se passer. On a dit absolument re-sauvegarder entre deux. On va s'en sortir. Je sais pas si sur la map actuelle il y a moyen de voir où sont les checkpoints. Il a l'air d'être super loin en fait. Rien de trop rester sur place parce que du coup les ennemis risquent de se multiplier et de me rattraper. Allez, on est fou là. On passe en mode court pour ta vie là. On éclate ce qu'on peut sur le chemin. Voilà. Le reste on esquive. Voilà, vite. L'important étant de ne pas se prendre de pique ni de roue. Voilà. Éviter de faire ça par exemple. C'est bon, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on a pas mal de balles, on a pas mal de vie. Là si on descend et qu'on sauvegarde, on est vraiment très très bon. Même c'est de des... Ah putain. Merde. C'est le mauvais plan de descendre finalement. Cet endroit est déjà chiant à monter, à descendre c'est encore pire. Bon. Allez, on recommence. C'est même pas une question de maniabilité, hein. Le jeu il est plutôt maniable. Hein. C'est une question de... Il y a tellement de choses qu'il faut voir au fur et à mesure. Et comme, bah, mine de rien, tu voles, l'écran il va très très vite, tu montes, tu descends. Faut que tu vois à chaque fois, chaque ennemi, chaque truc qui est dans le décor.
Le désespoir d'un homme. Je vais vraiment passer ce passage parce que ça se trouve juste après le reste du jeu sera mieux équilibré et tout et sera largement plus cool à jouer. Vraiment ce passage c'est l'horreur. Allez. Ah mais putain je me voyais vraiment dessus hein. Ah le début je me débrouillais pas trop mal. Bon le drame. Hop. Ouais là on est bien, on est plutôt bien. Vous pouvez me looter un petit truc au passage, non? Non. Waf ah le bait. Je vais précomposer le 102 jusqu'à où. Ah là franchement je vais péter un câble. En plus le pire c'est que cet endroit là je suis pas obligé d'y aller. Mais si j'y vais pas de 1 j'aurai pas la map. Et de 2 j'aurai pas le cristal en rab. Qui me sera bien utile justement pour monter un petit peu la puissance de la mitraillette. Parce que là je sens que je manque un petit peu de puissance de feu. Allez. C'est compliqué, il faut viser sur les ennemis en façon un petit peu shoot them up et run and gun quoi. En même temps, faut que tu vois bien où est-ce que tu fous les pieds. En même temps, faut que tu arrives à éviter. Ah ! Les obstacles et les pics. Bref, si vous aimez les jeux difficiles, ce jeu peut vous plaire énormément. Attendez. Prendre les buts est totalement faisable. Allez. Ça c'était vraiment d'époque. Hein. Des fois t'avais des jeux qui étaient durs mais pas trop. Et t'avais juste genre le niveau ou le couloir qui était juste horriblement dur. Je sais pas si vous vous rappelez tous de Tortue Ninja sur NES, il y avait vraiment des endroits qui étaient des purges. Hein. Le jeu de façon globale était pas forcément ultra difficile. Mais était ultra difficile parce qu'il y a des endroits vraiment juste des cadres, des scènes en particulier ou des bouts de niveau qui étaient vraiment des purges pour le coup. Et ça du coup, ça a monté bien la moyenne de la difficulté globale d'un coup. Des passages avec des sauts pixels perfects, des endroits où il y a des ennemis qui repopaient en boucle. Surtout ça qui faisait la difficulté des jeux de l'époque. Des moments, c'était vraiment des points particuliers qui étaient plus chauds que d'autres en fait. On est bon? Oui! Oula! Bien! Attends, voilà! Hop! Est-ce qu'il est tir? Bien! Faut que j'arrête de le penser comme un jeu de tir, faut que je le pense comme. Merde! Comme un platformer là! Il ira tout de suite mieux. Ok, on est bon. Maintenant, faut juste pas mourir jusqu'à la prochaine salle de sauvegarde. On redescend pas! Parce qu'on a vu ce que ça a fait tout à l'heure qu'on a essayé de descendre. Le niveau de l'eau, en vrai, c'est pas un des plus chiants dans Tortue Ninja. Pour l'avoir refait une paire de fois, enfin l'avoir refait une paire de fois en 10 ans. Hein. Par rapport à ce qui nous attend après, c'est pas le pire. Merde. Ok. Oh, il faut jouer. Peut-être qu'il puisse pas me viser pour le bourrer. Et coucou les trésors du grenier, comment ça va? Ok. On s'en sort bien. Il y a notre copain qui nous a sauvés. Ah, ça sert à d'être un pas copain par contre. Alors, je ne peux pas le croire. Enemy chip pour teleporting around us. C'est quoi le... Alors, je vous avoue que c'est très pixelé ici.
Ah, les vaisseaux ennemis se sont téléportés autour de nous pendant qu'ils attaquaient. C'était le chaos. J'ai jamais vu d'armes comme ça avant. Et maintenant, les ennemis en font un bon usage. Argo Express. Almost up. A grandement augmenté ses efforts de combat. Si jamais nous espérons pouvoir battre un ennemi, j'ai pas tout compris là à la fin. Salut Léon, comment tu vas? T'as indiqué dans une livre de Castlevania, c'est la rumeur comme quoi le château de Dracula est inspiré du Mont Saint-Michel dans son design à l'extérieur. Je crois que oui. J'ai lu que le début, hein. J'ai dû lire le premier quart et ça fait quelques années déjà. J'ai dû l'avoir il y a 2 ans. J'ai eu le temps de le finir, je commence plein de bouquins, je les finis pas, c'est comme les jeux, c'est terrible. Ah bah voilà! Et bah ça, on va pouvoir augmenter d'un petit coup là. Vite entre ça et augmenter la vie en vrai. Hein. Après la vie, de toute façon, vu qu'elle monte pas assez vite. Augmenter la puissance du tir. On va voir très bientôt. Voilà un checkpoint. Mais bien! Ah là ça fait plaisir. C'est nickel Léon. Merci. En fait il parle surtout au début des origines de la légende de Dracula. Dans le bouquin, je me souviens. Ah bah voilà, là ça tire bien. Bah, j'ai bien fait de l'augmenter. Mitraillette, je crois qu'il va falloir que j'augmente très rapidement au maximum. Voilà. Et quand ça clignote, je me demande si j'ai pas munitions illimitées en fait. Genre que je dois avoir des bonus des fois. Comment ça me demande si c'est pour monter certaines armes. Enfin, ramasser des. Non, en fait, ça monte bien toutes les munitions, on dirait. En tout cas, meilleur investissement ever, hein, cet upgrade. Oula! Arrêtez de repoper là, c'est pas très gentil! Merde! Ah. Non, c'est la mouise ici aussi. Hein. Ah putain, je peux plus l'utiliser! Bon, c'est pas grave. Je joue juste un petit peu mieux. Et oui, la Dreamcast! Si vous avez besoin d'une mitraillette dans la vie, je vous conseille très fortement celle-ci. J'aime bien. Très efficace, très propre. Très bien son travail. Ah. Tombe en panne de temps en temps quand on se fait trop tirer dessus, mais autrement très très bonne. Mince, gros tir là dans la gueule, là, à bout portant. Finalement, je suis la récupérer, là je suis un petit peu tout nu sans arme. Pas qu'il y a un boss juste là. Si. Bon ben c'est la mouise. Ouais, bon il a peur d'être trop méchant, mais il faut que je réussisse à bien gérer la partie d'avant en fait. Faut que j'éclate le gros robot là qui me bloque le chemin. Merde. J'approcherai ça. Il fait mal en plus. Les ennemis apportent quasiment pas de vie, c'est vraiment un petit peu embêtant. Surtout que le problème, c'est que c'est même pas qu'il y a pas que les ennemis qui rapportent pas de vie, c'est que t'as pas de points, pas d'endroit particulier pour récupérer de la vie comme tu veux. Ah putain, puis le problème, c'est que en fait, dès qu'on change d'arme, il prend du temps en fait pour commencer à tirer de nouveau en fait. Du coup, dès que t'essaies de prendre une arme un peu plus efficace contre un ennemi ou un type de tir, voilà, ah, tu peux pas te défendre tout de suite derrière. Partirai dans la seconde qui suit. Bien. Bien. Bon, on a moitié de la vie, c'est pas si mal. Après pouvoir se faire le bas, je pense. Allez, go! J'ai mal au cœur quand je vois ce que Konami a dû. C'est compliqué hein, quand on a vraiment eu des devs éditeurs de cœur qui ont mal changé leur contenu.
leur ligne éditoriale. Oh oh, j'ai peur. On les connaît depuis qu'on est petit. Est-ce que c'est pas un joli boss en E8 ça? Magnifique, non? Voilà. Nickel! Attendez, du coup là au niveau de la map on s'en retrouve comment? Donc il y a un petit truc qui doit être devant je pense, et puis après on pourra retourner en fait sur les anciens endroits de la map, vers le bas. Ah, nouveau rayon, on va pouvoir péter les murs. C'est ça, on a le drill, on va pouvoir détruire les murs. Ben, voilà. On a reçu 3 cristaux directement là. On l'a fini, donc on peut l'utiliser au corps à corps, ok. Attends, on a vraiment eu 3 cristaux d'un coup? Là je réfléchis même pas, je réaugmente encore la mitraillette. Hein. Enfin, je commence à remonter la vie et tout. Mince. Il y a un petit point de sauvegarde juste en dessous. On en profite. Là on est bien, là on est très très bien. Et du coup on va pouvoir ouvrir un petit raccourci par ici. Si vous vous souvenez pas en fait on est... Attendez, je valide quand même la map, c'est pour les pourcentages. Hein. Voilà, on était ici, c'est juste au-dessus de l'endroit où je guérirais. Il y a un Castlevania sur Dreamcast? Non. Je sais pas s'il y a eu des trucs prévus sur Dreamcast par rapport à ça. Et là, on va pouvoir commencer un petit peu à s'amuser. 20%, yes. En fait, vraiment, c'est ça qui est difficile avec les... Merde. Avec les passages comme ça, c'est que c'est des courbes de difficulté tellement importantes. Ouais, là autant que je... c'est des courbes de difficulté tellement importantes sur ce genre de jeu que, bah, en fait, malheureusement, si on bloque trop et qu'on trouve ça trop injuste, les gens ils arrêtent. Moi, je me rappelle de ça sur des vieux JRPG, sur des boss sur lesquels tu bloques et tout, et t'es en mode, ah, de toute façon, le jeu il est trop dur, gagner. Au final, quand tu reprends le jeu plus tard et que tu arrives enfin à battre ce boss à la con, des fois tu te rends compte que le meilleur était juste à venir en fait. Pour ça, un jeu bien équilibré au niveau de la difficulté est important. Hein. Des fois, tu peux passer à côté d'une vraie petite pépite. Hein. Parce qu'il y a un moment qui était un petit peu trop dur. Comme ça que j'ai jamais fini Baton Kaitos quand j'étais gosse. Le jeu est vraiment incroyable, mais t'as des boss qui sont juste horribles. Et qui te font baisser les bras. Alors, du coup. Yeah, coup, Captain et Capère, quand tu vas? Alors que dit la map? On va pouvoir retourner tout à gauche, on va pouvoir retourner aussi en haut à droite, mais on va commencer par tout à gauche, il y a peut-être des trucs sympas à aller voir. On va visiter. Maintenant qu'on a une roquette bien plus puissante, et surtout un petit drill là. Nickel, écoute. Dame Ruby m'a fait redshift 1000 fois, à ce point. Là c'est exactement Metroid, ouais, carrément. Bel hommage. Ce bon petit bruit de grincement là qui fait serrer les dents. Attendez, on est retourné au début. Petit point de sauvegarde et on voit qu'il y a un petit truc à choper par au-dessus. On va aller voir ça. Merde. Rocketman! C'est dans quoi ça déjà? C'est vrai que les vieux Dragon Quest, j'ai jamais pu trop dur à ce point. Faut toujours que je me fasse la première trilogie avec la version Switch. J'ai pas la musique. Attends, mais c'est une musique de... Comment il s'appelle? Je sais plus s'il est mort ou gravement malade. Monsieur au piano, là. Ah, du coup, là, on est retourné dans l'ancienne map. Et du coup, on peut peut-être récupérer des trucs sympas maintenant qu'on a les... La roquette et de quoi creuser. Elton John, oui, merci. On va se balader un petit peu, puis souvent récupérer des petites améliorations, là ça va faire du bien. C'est quoi ces ennemis que je connais pas et qui se suicident? Bien. Ah là on s'amuse enfin. Mourez bande de méchants.
Là, je suis en train de niquer toutes mes munitions en vrai. Voilà. Le problème, c'est que les ennemis ne lâchent rien depuis tout à l'heure. Oula. Hop. Oula. Comment ? Ouais, on laisse se suicider tranquillement là. On va pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils me foncent pas dessus. Ça me va. Ah. Bien. Bah, finalement, il est pas si mal quand il est bien utilisé le fusil à pompe. Hein. Ah merde. Ça s'envole. Ah, on profite pour tirer dans les jambes. Voilà. Ou mince. Merci. Je vais récupérer le truc, le grid. Voilà. C'est bon. C'est bon. J'ai cru que j'allais foncer dans les pics. Alors c'est un jeu de chez Pixel Art, donc c'est des petits devs, hein. C'est des petites équipes de devs. Donc il est sorti en version boîte il y a quelques mois et c'est Rocketron. Je remets un petit coup, hop, on les présente jamais assez, hein. Le lien vers le site de chez Pixel Art. Et coucou Manon. Repose-toi bien, mais qu'est-ce qui t'arrive Manon? Est-ce qu'il vaut mieux que je descende ou que je monte? Oui. On va descendre. Patapatapatapu. Et ils connaissent Krookarix bien sûr. Et Mia ce qu'ils font aussi. Enfin, ils font du taf de ouf. Hein. Hop, on est bon. Merde. Oula. Oula. Putain de... cul. Attends, faut survivre et réussir à récupérer. Ok, j'ai même pas réussi à m'a tué. Oui, du nombre d'explosions, je dirais que Coffee ne doit pas aimer le jeu, lui qui n'aime pas les explosions. Ah, bordel. Bon. On s'alfonce. Je pensais qu'il faut juste tirer partout avec le fusil à pompe et ça passe. Ouais, là c'est bien, on a la musique pendant tout le long. Je sais pas si c'était passé au début, il y avait un vieux bug. Merde. Là dans les pics, sinon c'est pas marrant. Ça passe, ça passe, ça passe, je vous dis que ça passe! Merde, plus mon fusil à pompe. On va se débrouiller avec la mitraillette, elle est bien aussi la mitraillette. Yep, voilà. Merde, un peu moins pratique dans ce cas précis, mais. Le coup des armes qui tombent en panne, ça te fout la pression, hein. T'es vraiment obligé de savoir utiliser correctement toutes les armes, quoi. Bien upgrader un maximum d'armes possible. Oula! Ah, j'ai mal dirigé ma roquette. Ok, on est pas trop mal. Alors, on va tenter de passer par là-haut. C'est risqué quand même. Attends, je regarde un petit peu. Ouais, c'est risqué. Je voulais juste tenter d'aller en l'air, mais en fait, quand tu tapes dans le mur, il te fait suivre le mur. Ouh!
Quoi, 3 directement? Est-ce que c'est pas le bon moment? Attendez. Là, franchement, je suis tenté de monter ma vie. Pas tellement monté. Et de monter le fusil à pompe. Voilà. J'ai plus de balles de fusil à pompe. Attends, il faut juste trouver le moyen de récupérer de la vie, quoi. Bien. Il y a pas moyen de farmer vite fait les ennemis là. Ah non, c'est. Attends, c'est mon. C'est pas mon lance. Mon fusil à pompe qui a plus de. Ma mitraillette que j'utilise en principal normalement. Alors je suis désolé, j'ai fermé un petit peu la vie parce que là, si j'avance et que je meurs comme un caca, ce serait dommage. Bon, toi, Super Patate, vous m'avez poti à me lancer dans les streams. Ah bah tant mieux! Tu te lances vers la grande aventure! Et pas Super Patate, par contre, je t'avoue. Allez. Y croyez. Bon. Faudrait juste avoir ne serait-ce que la moitié pour être sûr de prendre au minimum de coups avant de mourir. Que dalle. Ah, c'est juste que je veux éviter, juste au cas où que je me prenne des pics ou une scie. Je vais pas mourir direct en fait. Pas grand chose. Ouais, bon. On est pas trop mal. Alors, est-ce que je continue tout droit ou est-ce que j'essaie de descendre un petit peu? Descendre pour voir. Pas trop ce que c'est les trucs là-bas, d'accord. Juste des ennemis qui tirent très lentement. Merde. Il faut quand même bien mal. On ira voir ça après, parce que là franchement le... comment ils atteignent directement. Là c'est la mitraillette, peut-être chaud patate. On part ici. Ah putain, saloperie. Tu vas jamais popper correctement. Des grosses explosions en plus. Ah merde, non. Ah putain, j'avais pas vu les tirs avec l'explosion. Putain, c'est moche. Ah, c'est tellement moche. C'est tellement cru. J'aurais bien voulu savoir c'est comment choper ça du coup. Je sais pas ce que c'est, mais ça va être cool. Je pensais qu'on pouvait le choper de l'autre côté. À mon avis, il faut faire le tour en fait vers le haut. De l'autre côté. Vous Shepard, comment ça va? Il y a des mini-portes dans le décor, c'est là où ils pop à l'infini les ennemis Kali. Allez, on y croit. Envoyez un peu de skills au chat. On y croit. Croisillon. Ça va, ça sale un petit peu, mais ça va. Je vais. J'espère qu'il décollerait comme ça d'un coup, lui non plus. Merde, j'avais pas vu décoller lui non plus. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Mmh, il est bon. Oula. Oula. J'ai un petit peu de la voix. Ah merde, on peut plus utiliser ça. Rendez-moi de la vie les copains, rendez-moi de la vie. Yes, de la vie. J'aimerais bien récupérer mon fusil à pompe au bout d'un moment aussi. Ici d'avance. Voilà. Là. Non. Oh non, je me suis pris l'ennemi et pas les pics. Ça fait beaucoup de mal. Hop, on est bon. On va se cacher un petit peu. C'est pas ça que j'avais choisi comme arme. Merde. Là. Oula! Oh putain, instant fer!
Ouais, celle. Putain, j'aurais jamais pensé au tour galerie sur un jeu de ce style, quoi. Il était bien Metroid Dread finalement, niveau difficulté, je trouve. En fait, je suis sûr que là, si on retourne sur l'ancienne map, et parce que là, en fait, je vais pas forcément sur l'endroit principal. Hein. Là, je retourne sur l'ancienne map pour essayer de farmer quelques petits trucs avec les nouvelles capacités. En fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que si au moins on pouvait changer nos armes rapidement, ce serait tellement plus facile. T'as vraiment une ou deux secondes de temps de changement entre chaque arme. Et que dès que tu vois un ennemi et que tu changes d'arme pour t'adapter à lui, en fait, c'est déjà trop tard. C'est très compliqué de gérer tout ça. Merde, directement dans les pics, sinon c'est pas marrant. Mal gérer mon saut. Merde. Le petit ennemi. En plein dans la trajectoire là. Hop. Mais bon, heureusement qu'il loot un petit peu. Mince. Justesse, mais ça passe! Ah yes! Ah là on est bien, qu'est-ce qu'on est bien! Ah bordel. Là on est bon. Bien au fond sans toucher les bords. De dose. Ok. Donc, amélioration. Et du coup, c'est censé augmenter la vitesse, mais ça augmente pas des masses. On va augmenter du coup la vie et le fusil à pompe. Voilà. Ça va être pas trop mal là. Bien. Passer par en bas pour voir. On peut utiliser la mitraillette. C'est beaucoup plus facile d'avoir ce truc là. Merde. Bien. Et top. Mince. Ah, c'est pour les viser. Hein. D'accord. Il faut une clé spéciale. Ah putain, j'aurais dû dasher. Ça c'est joué comme arme. On va faire avec. Voilà, bien. Même pas un petit peu de vie là pour non. Pour non, toujours pas. Bien. Ah voilà. Pas très sympa niveau loot les ennemis hein. J'espère qu'il y a un petit point de sauvegarde pas loin. Les minutes de hydrate sont stressants mais on s'en sort, le jeu te permet de recommencer rapidement dans la zone si tu te fais avoir. Ouais. Ah bah non, en fait c'était bien le chemin principal au final, j'aurais dû continuer à gauche. Ah, j'aurais dû fouiller un petit peu plus. On va quand même sauvegarder par ici du coup. Je crois qu'on se regarde un peu plus en particulier. Hein. J'ai skippé plein de trucs. On a fait un quart de la map. Alors ouais, concrètement, il leur dire de tirer dessus, mais les roquettes sont trop faibles pour la hauteur dont j'ai besoin. Maintenant, je ne peux pas retourner dans la zone plus haute dont j'ai besoin. J'arrive pas à croire que je suis tombé dans le piège. Ok. Concrètement, en fait, là, on peut pas remonter.
Et en fait, tant qu'on n'a pas une grosse amélioration de la roquette, et ben on peut pas remonter. Voilà. Ce nous a dit le monsieur. On aurait dû continuer à explorer en vrai. Et du coup, en effet, je suis bloqué comme lui. Il est mort comme un caca. Je pense que ça va être mon cas très bientôt aussi. Hop là. Allez, volcan, un petit peu à la Gradius là. Après, je retrouve un moyen d'avoir un petit peu de vie quand même. Là. Et de récupérer mon arme de prédilection. Putain, mais on dirait que je fais exprès de foncer dedans. Ouh, de la grosse vie là-bas. Bien. Prendre des armes de base parce que là ça me fait pas la mouise. Précisément avec ça. C'est bon, j'ai récupéré la mitrailleuse. J'ai plus de balles dedans. On va essayer de faire avec. Hein. Là, j'ai plus de balles sur que dalle. Il y a moyen de farmer les volcans. Non. Ça sent un petit peu la mort là. Ah putain, d'accord, même que l'on y projette rien, mais qu'il fume, tu te prends du dégât. Couverture une quand tu vas. Voilà, il faut que je joue bien, Tout se passerait bien. Et je sais pas à partir de quel moment les armes qu'on a, qui sont défectueuses refonctionnent en fait. Si c'est un certain nombre de points de vie, si c'est un nombre d'ennemis battus, si c'est... un temps où on s'est pas touché, un truc comme ça. Voilà, on est bien. C'est nickel, écoute. Là, il y a de grosses bestioles en bas. Yes, nickel. Là-bas, on peut pas encore y aller. Hop là. Bien, merde, je marche en plein dessus. Il faut vraiment pas marcher dessus, même quand ça fonctionne pas. Non, je dis à l'instant et je le fais. Terrible. Je flippe pas courant. Et j'ai perdu l'utilisation. Putain, j'ai deux armes en moins. Mais comment le jeu veut que je fasse quelque chose là? Deux armes en moins. Là. C'est par là, ça se trouve y a un truc cool. Et cristal x3, je sais pas ce qu'on va pouvoir augmenter là avec. Et on peut même pas augmenter le pistolet de base en fait. Oui mais non. On augmente encore un petit peu de la vie en espérant qu'on arrive à récupérer plus de vie sur les ennemis grâce à ça. J'y crois pas, hein, mais sur un malentendu, ça peut passer. La vitesse de course, ça n'a pas l'air de changer. Ouh non, ouais, non, on va pas aller là du tout, non. Oula, ça passe. Là, c'est... non, toujours pas récupérer d'armes. Vite! Là. Va y arriver, va y arriver. Ouais, le jeu il est bien vénère. Mais c'est dommage parce que là en fait, le gros point faible du jeu, je trouve, c'est ok, il y a une difficulté. Je dis pas qu'il est infranchissable ou quoi que ce soit. Mais le souci pour moi qu'il y a, c'est que c'est un Metroidvania, c'est cool, tu peux améliorer plein de trucs, te balader, etc., redécouvrir des trucs. Mais le problème, c'est que c'est un Metroidvania où t'arrives trop souvent sur des nouvelles zones, sans savoir que tu arrives sur une nouvelle zone, où tu veux pas retourner en arrière.
Donc en fait, ce qui est bien avec Metroidvania, c'est que tu bloques. Tu peux explorer un petit peu, récupérer des upgrades pour débloquer un petit peu contre des ennemis, des passages un peu chiants et tout. Et là en fait du coup, bah en fait, je peux pas retourner en arrière, récupérer des objets qui pourraient m'aider vraiment. Parce que à chaque nouvel endroit, t'es rebloqué. Faut que tu refasses tout le monde pour pouvoir retourner en arrière. Mais tu sais pas à quel moment tu t'explores et que tu vas tomber sur un nouveau monde, quoi. Ce qui fait que tu peux te rebloquer dans un monde à n'importe quel moment. Et du coup, pas savoir à quel moment tu dois vraiment explorer ou aller vers une direction ou une autre, quoi. D'ailleurs, franchement, j'aurais bien voulu continuer à choper des upgrades, hein, avant d'avancer. Sauf que bah, je suis tombé dans un trou. Voilà. C'est bien, j'ai trouvé où il fallait aller dans l'histoire, mais j'ai l'impression d'avoir un perso en carton. Un petit endroit pour regagner de la vie de temps en temps, ce serait pas dégueulasse non plus. Ou au moins pendant les sauvegardes, quoi. Et pour le coup, ouais, la difficulté, je la trouve vraiment trop vénère, quoi. Après, en vrai, le temps de se faire au jeu, etc., je suis sûr qu'il est largement finissable. Mais putain, il pique! Le fait de te retrouver avec des armes que tu peux plus utiliser pendant je sais pas combien de temps, le fait que t'arrives jamais à avoir les ammos qu'il te faut. C'est plein de petits éléments qui demandent, c'est cool, ça demande de t'adapter et tout, mais c'est pas simple. Là du coup je me retrouve à devoir faire avec mon petit pistolet de merde parce que les roquettes vont mieux garder pour un autre truc. Je viens viser avec. J'ai plus de munitions de fusil à pompe et là ma mitraillette qui est mon arme principale normalement, celle que j'utilise le plus, elle est down. Je sais pas à quel moment je vais pouvoir récupérer ma mitraillette. Là je suis vraiment en PLS, quoi. Et le problème c'est que vu que je peux pas reprendre sur une ancienne sauvegarde, ben je peux pas reprendre plus en arrière. Bah ben, à part farmer en faisant des allers-retours sur certains bouts de map, en fait je peux pas faire grand chose. Ouais c'est ça, ou un endroit juste pour recharger les vies, les munitions ou l'état de tes armes, quoi. En fait il y aurait plein de petits détails vraiment microscopiques qui permettraient d'équilibrer un petit peu mieux le jeu en fait. Même ça qui est dommage, c'est dès que tu essaies de regagner un petit peu de vie, t'as plus de chances d'en perdre que d'en gagner. Le farm des ennemis est très risqué, je trouve. Et même quand t'arrives à trouver un moyen moins risqué de farmer les ennemis, le souci c'est que bah, tu te retrouves très vite. Tu te retrouves très vite à plus pouvoir avoir de munitions, à plus pouvoir utiliser une arme qui était importante. C'est bête, en vrai, le jeu, globalement, il est bien. Et bien, tu te balades, c'est pas non plus un Metroidvania hardcore dans le sens où tu te perds pas, ou t'as pas de mal à te repérer, etc. On va dire qu'il est quand même relativement dirigiste. Mais le problème c'est juste ça, c'est quelques petits axes de gameplay qui seraient facilement, très très facilement rééquilibrables. Facilement normalisables, on va dire. Rééquilibrable. On dit ça, rééquilibrable. Bref. Et ça tient à pas grand chose en fait. J'ai l'impression que certains passages tiennent plus au fait que la RNG te file un gros bout de vie ou te permette de récupérer la utilisation d'une arme plus qu'autre chose. Voilà, là j'ai perdu mon autre arme. Pourquoi ? Ah c'est bon, j'ai récupéré cette arme là mais du coup j'ai plus de munitions. Il me dit que j'ai plus de mission et j'en ai en fait. Bah. Et je viens de la reperdre. Voilà. Ouais, là on est en mode normal. Hein. Je vous rappelle qu'il y avait encore deux modes de difficulté au-dessus. Bah, je pense que je vais m'arrêter sur ce jeu. Parce que je vais m'énerver pour pas grand-chose. Franchement, c'est... Voilà. Ce jeu-là, je le recommande aux gens qui sont patients, aux gens qui aiment bien la difficulté. Et si vous voulez le tester, commencez avec la difficulté à moins haute quand même. Parce que... Il est sympa, mais putain, il pique. Ah putain, qu'est-ce qui pique niveau difficulté. Après, faut voir, hein, ça se trouve peut-être que plus loin dans le jeu, ça s'équilibre un petit peu, mais là, franchement, on a fait un quart de la map et. J'ai pas les nerfs assez solides pour aller forcément plus loin là tout de suite.
Bon, en tout cas, encore un gros merci à Pixel Art de vous avoir fait découvrir ces deux jeux-là. Franchement, le Alice Sisters, il faudrait que je trouve l'épisode précédent parce qu'il était bien sympa celui-là. Et le Rocketron, pour le coup, j'aurais pas le courage d'aller jusqu'au bout parce que... Sinon, il faudrait que je fasse une carte pour que je montre à quel endroit il faut pas que j'aille pour pouvoir fermer le reste de la carte, pour pouvoir le finir. Et voilà. Et justement, c'est ça que j'aime bien dans les Metroidvania, c'est de pouvoir revenir en arrière comme jeu pour pouvoir explorer. Là, c'est frustrant. Allez, hop, changement de jeu.